T'as marqué combien de buts avec ça, Raymond? Oh, je suis pas allé à côté, hein. Là, j'ai un 49. 49? Mais ça, c'est pour faire la patinoire, ça. Et tu marques des buts avec ça? Tu marques des buts avec ça? Une antenne de match, t'as vu. Me convaincre que vous en étiez capable et vous l'avez fait. Ben, il faut me convaincre maintenant que vous pouvez la gagner. Il faut vous convaincre et me convaincre. Et tout ça, ça passe par vos envies. Vos envies de quoi? De jouer, de prendre du plaisir, de gagner les duels, d'avancer, de ne jamais rien lâcher. Tout ce que vous dites là, sur vos Instagram, sur vos réseaux sociaux, hashtag no pain, no gain, je sais pas quoi là, c'est bien d'écrire, c'est bien, mais il faut le réaliser. Il faut le réaliser. Pour vous, pour les 16 qui sont là, pour les membres du staff qui sont là, mais aussi pour les copines qui ont participé à l'aventure et qui aujourd'hui ne sont pas dans les 16. Le 4x400 féminin, et ça, ça représente systématiquement votre saison. D'accord ? Ça dure 4 minutes. Mais 4 minutes, c'est votre saison. Ça, c'est le départ. C'est nous, au mois de septembre. Premier match, 7-0. Et on était fort. On était très fort. Et ça, c'est notre début janvier. C'est début janvier, ça. Regardez, on a perdu. On a fait des matchs nuls. Les autres ont gagné, ils passent devant nous. C'est logique. C'est extrêmement logique. Écoutez ce qu'il va dire. Et ça, c'est ce que tout le monde pense aujourd'hui. C'est ce que tout le monde pense aujourd'hui. Hein. Ce matin, hier soir, c'est ce que tout le monde pense, que le podium est déjà dessiné. Que PSG premier et Montpellier deuxième. C'est ce que tout le monde pense. Sauf que vous croyez quand elle court là, elle se dit j'abandonne. J'abandonne. Elle revient fort. Ça va être juste. C'est ce que les gens quand ils vont nous voir à l'échauffement, ils vont dire ça va être juste. Et c'est ce que vous devez être convaincu. C'est ce que vous devez être convaincu aujourd'hui à la sortie de dire du match. Les gens doivent être convaincus que c'est vous qui l'avez fait, c'est personne d'autre. Vous sortez, vous êtes convaincu qu'on va le faire en vous faisant confiance à vous, mais aussi à nous. Quand on vous dira sur le côté, fais attention à ci, fais attention à ça, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux. La copine, si elle vous dit ça, c'est qu'elle a vu quelque chose. Faites-lui confiance. Faites-vous confiance. Et montrez à tout le monde que même si on n'est pas favori, ben c'est nous qui allons sauver. Bon match à tous.
J'arrive parce que vous êtes en train de les battre sur le terrain. Et ça, c'est le plus important. Sportivement, vous êtes au-dessus. Continuez, allez. Et on se parle librement. Allez, allez. Affirmez-vous que vous étiez les petits poussés de cette finale ? Oui, exactement. Si on nous l'avait dit hier, c'était un peu encore difficile à y penser. Et on m'avait dit, tu verras, j'avais un peu demandé à Benoît le prépa des 19 et au staff 19 ans par rapport à la gambarde. Et il me disait que le jour J, il sentait. Et nous, voilà, depuis ce matin, il n'y a pas de pression, il n'y a rien. On a l'impression que c'est un match de championnat, qu'on joue à la pétanque. Tous les deux contracts, on ne pense jamais à ce match-là. Après, la causerie, elle vient, voilà, on enchaîne. On a de la chance de marquer, je sais pas, au bout de même pas 10 minutes de jeu. Voilà, on a bien su tirer à conclusion les défauts de notre adversaire, jouer avec nos points forts. Et puis après, voilà, on a mis nos valeurs, la générosité, notre caractère. Tu vas y entendre.